Yo tout le monde, c'est Chamallow, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une nouvelle série, les Top Meta. Avant de commencer la vidéo, je vais juste vous introduire le thème de cette série. En gros, je vous présenterai un champion vraiment fort dans la méta actuelle du fait des changements dans un patch. Contrairement au Sparna tuto, je n'expliquerai pas les tips ou comment gérer une phase de lane, mais je parlerai plutôt du build et des choses qui font que le champion est vraiment fort en ce moment. Comme vous l'aurez compris, pour ce premier épisode, je vais vous parler de Cho'Gath, le mangeur de carry. Certains ont pu le voir en avance lors de mes lives sur mon Twitch, car je joue souvent le champion en ce moment, donc si ça vous intéresse d'en apprendre toujours plus sur Cho'Gath, je vous invite à venir sur mon stream Chamallow-san, vous trouverez le lien dans la description. Pour en revenir au monstre du Loch Ness, actuellement il est hyper fort grâce à différents buffs et buffs d'items. Premièrement, il faut savoir comment fonctionnent les dégâts de Cho'Gath. Lors du patch 7.14, son E a reçu un buff. Au premier coup d'œil, les dégâts ne sont pas ouf, mais si on regarde de plus près, on se rend compte que c'est plutôt insane. Avec votre E, au niveau 5, vos attaques enlèveront 80 plus 4% des PV de la cible, plus 0,5% par festin cumulé. Bon. Riot s'est rendu compte que c'était un peu too much, alors ils l'ont baissé à 3% au patch suivant. Ce qui est broken, c'est que vous allez très vite arriver au moins à 6 effets de festin car il peut se stack sur n'importe quel monstre jusqu'à 6 fois. 0,5 par effet de festin, ça rajoute 3% de PV max de la cible, soit 6% des PV max de la cible. Votre E étant sur 3 auto-attaques, vous allez enlever au moins 20% des points de vie de votre cible en seulement 3 auto-attaques, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. J'ai pris 6 stacks d'ulti pour faire ce calcul, mais vous allez vite voir en le jouant que vous montez facilement à 12 stacks, donc imaginez un peu le délire. Ensuite, la source principale des dégâts de Cho'Gath, c'est évidemment son ultime. Votre R fait au niveau 16 650 points de dégâts plus 10% de vos PV supplémentaires. Je vous montrerai le combo d'items après histoire de garder le suspense, mais au niveau 18, full build avec 6 stacks d'ultime, vous arriverez facilement à 6000 HP. Donc les 10% de PV supplémentaires, ça nous fait 1070 points de dégâts. Je vous vois déjà venir en me disant « Ouais, c'est énorme, mais tu parles pas des résistances et des sorts de réduction de dégâts. » Et bah en fait, ce qui est broken sur notre monstre, c'est que ces dégâts, ce sont des dégâts bruts. Autrement dit, des dégâts qui manquent totalement de respect à l'armure ou à la résistance magique de votre cible. Peu importe la cible, tank ou pas tank, vous ferez 1070 points de dégâts, point final. Pour vous donner un exemple, sur une cible à 2000 PV, si vous lui mettez 3 auto-attaques avec votre E, puis votre ultime, il ne lui restera plus que 400 PV. Voilà, 2 touches comme ça, c'est cadeau, je t'enlève 1600 PV gratuitement. Wow. Mais le plus ouf, c'est que ces dégâts négligent totalement les résistances de l'ennemi. Donc vous one-shotterez aussi bien une hache à des carrés qu'un Rammus full tank. Bon, ça c'était le premier point parce que oui, il n'y a pas que ça qui rend Cho'Gath broken en ce moment. Le second point concerne le build de notre sac à PV. Le premier item intéressant sur Cho'Gath, ça va être la gloire du juste pour ses PV évidemment, mais surtout pour sa propriété active. Elle va vous permettre de rush les ennemis de façon plutôt insane pour mettre vos dégâts sur le carry adverse et le tuer. Ça comble le principal point faible de Cho'Gath qui est le manque de mobilité. Comme personne n'a encore donné de nom à ce genre de manque de respect, je vais appeler cette technique le bulldozer. Dès que vous tuerez un ennemi de cette façon, pensez bien à lâcher un petit « get bulldozed » dans le chat pour bien les faire rager. Pour terminer, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. L'item hyper fort du moment et particulièrement sur Cho'Gath, c'est le lithoplastron de la gargouille. L'actif de l'item permet de gagner 40% de vos PV max pendant 4 secondes. Vous commencez à comprendre le plan machiavélique qui se cache derrière cet objet maléfique. Calmons-nous, calmons-nous. 40% de vos PV max, ça fait que si vous avez 6000 PV, vous passerez à 8400 PV. Si on parle uniquement des dégâts de votre ultime, ça fait 650 plus 720, soit 1370 points de dégâts bruts. Vous allez faire 1370 points de dégâts bruts en appuyant sur la touche lithoplastron et la touche R de votre clavier. On en vient donc au combo le plus compliqué sur notre monstre. Attention, mouvement qui demande beaucoup, beaucoup de skill.
En fight, vous devrez utiliser la gloire du juste pour foncer sur le carry adverse, puis dès que vous êtes à portée, activez votre lithoplastron et appuyez sur R. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est normal, ça demande beaucoup d'entraînement. Restons sérieux. Comme vous l'avez vu, c'est un combo d'items qui rend le champion broken en ce moment, donc ça demande très peu de mécanique de jeu. C'est pourquoi le pick Cho'Gath marche à n'importe quel elo, bronze comme diamant. Si vous êtes intéressé par les runes, maîtrise, build ou up des sorts, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, il y aura tout dessus. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout posez-moi vos questions s'il y en a. Évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur mon Twitch Shamalosan pour nous soutenir. Pour le stream, vous trouverez les horaires de live directement sur la page. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite bonne chance dans la faille de l'invocateur et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss !